Eh bien bonjour, bonsoir, comme prévu dans la dernière vidéo, on va s'occuper du cuivre et on va commencer à faire une vraie usine optimisée. Donc première chose que je vais faire, je vais regarder au niveau des murs un petit peu. J'ai besoin des murs avec porte parce que ça m'intéresse d'avoir des murs avec porte et des murs avec convoyeur. Vous voyez, je vais avoir besoin de 7, donc hop, hop, ça tombe bien, j'en ai 22. Au niveau des fondations, je vais pouvoir laisser les fondations telles qu'elles existent là. Ça ne me pose pas de problème. Et le mur avec grande porte. Donc voilà, ça c'est ce que je vais avoir besoin. Je vais tout acheter, ce qui fait que lorsque je regarde ici dans les constructions, au niveau des murs, eh bien j'ai les murs avec porte centrale, tac, tac, tac. J'ai tout ce qu'il me faut. Il va me falloir des plaques. Maintenant, on va aller chercher les plaques. Mais avant ça... Avant les plaques, je vais vous montrer un petit peu le nobélisque. Donc j'ai fait la recherche sur le nobélisque. Et là, vous vous souvenez, j'ai une zone qui me fait des dégâts à chaque fois que je passe. Et ça m'embête. Donc je vais prendre un nobélisque. Il m'en reste que 3. Et je balance. Et si vous regardez, ça détruit la zone. Et ça, c'est juste top. Et là-bas, on a une limace qu'on va avoir besoin pour la suite. Donc, il va falloir qu'on nettoie cette zone-là rapidement pour pouvoir aller chercher la limace. Donc là, je vais balancer mes deux derniers. C'était trop court, malheureusement. Et celui-là, c'est passé. Voilà, je n'en ai plus. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-ci. Bon, j'ai mes usines qui tournent. Ça tombe bien. Je ne vais pas m'occuper ici de l'arrière. Je vais commencer par, justement, mes fonderies. Mes fonderies, j'en ai combien? J'en ai 2. Donc, hop, je vais les détruire. Et je vais aller là où je veux construire. Et c'est là-bas que je veux construire. Si vous regardez bien, j'ai refait une zone. Mais, problème, et là j'ai oublié le carburant. Parce qu'il va falloir nettoyer tout ça. C'est bien beau de vouloir faire une usine, mais avec des arbres qui passent partout, c'est pas top. C'est pas top. Donc on va chercher du carburant, et on va faire ça tout de suite. Donc voilà, la zone est nettoyée. Je vous rappelle, on avait dit qu'on avait parlé de 2 fonderies. Donc on va venir mettre les fonderies. On va les mettre au centre. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc une fonderie. 2 fonderies, on va les aligner. On va essayer de faire quelque chose de correct et de beau. Donc voilà. Là, j'ai une foreuse MK1 que je détruis, bien sûr. Je vais mettre une foreuse en MK2. Donc pour ce faire, on n'a pas ce qu'il faut sur nous, on met un atelier d'équipement, il est en hauteur, c'est pas grave. Ici, on refait une foreuse. Et on va placer la foreuse MK2 ici. La foreuse MK2 qui va produire 120 minerais par minute. Et ici, j'ai besoin de 30. Donc, je peux en mettre 4. On va regarder pour en mettre 4. Voilà. Ensuite... On va reprendre nos murs. Vous vous souvenez, on avait pris des murs avec des portes. Et on les relie en ligne droite. Enfin, des murs avec le... Comment? Pour les tapis. Bon, maintenant j'ai besoin de pouvoir diviser tout ça.
Alors, le pylône électrique me dérange, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors, je vais avoir besoin de diviser ici par deux. Donc, logistique, répartiteur. Ça va venir de là-bas derrière. On va essayer de le mettre au centre pour garder toujours la même chose. Et ici, même chose. Là. Aussi. Bon, le répartiteur. On va partir d'ici. On va aller là-bas. On l'a mal mis. Ça, quand vous allez faire votre base, va falloir vous habituer, hein, à ce genre de choses. Mais si vous voulez quelque chose d'équilibré, un minimum, vous n'aurez pas le choix. Ok. Donc là, on aurait 120, donc il me faut le convoyeur en MK2 que j'envoie là-bas. Et puis 60 qui vont partir de chaque côté. Donc la première partie, elle est faite. Mais ça tombe bien, c'est ce qu'il en avait besoin. Ensuite, on a besoin de lingots, bah hop, on tape tous les lingots qu'on a là. Pendant que ça fonctionne, on a besoin de 20 lingots pour les tôles. Et après les tôles, rien d'autre. Les 5 constructeurs, on a les ressources. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part. Alors 20 lingots, et on en produit 30 par fonderie. Donc il y en aura 10 de trop. Maintenant, j'ai besoin de 20 d'un côté. On va regarder les autres usines, parce que le but est quand même d'optimiser ça avec une seule partie. Et à chaque fois qu'on revient, on en profite, hein. On liquide. Ici, ça a un besoin de 15. Donc, 15, ça veut donc dire qu'avec 2, je vais pouvoir en alimenter 4. Pour dire de faire les fils de cuivre. Vu qu'une peut en alimenter deux. Donc là, soit on réunit tout en un, et ensuite on fait la division. Soit on part du principe directement qu'on va les diviser. Et c'est ce qu'on va faire. On a de l'espace, donc on va utiliser l'espace. Et donc ici, on a dit que ce serait du fil. 15 qui en fait sortir 100. On va faire CTRL-C, comme sur un Word, comme sur un Excel ou autre, et puis CTRL-V pour coller les paramètres. Et nos deux premières, on va les diviser. Or, pour les diviser, ce que je vous conseille, le répartiteur, vous mettez en face d'une, vous le faites comme ça, et ensuite en face de l'autre. Ce qui
qui fait qu'on va partir en ligne droite, ici, sur le côté. En ligne droite, et ici sur le côté. Alors, niveau équilibre, on est d'accord, c'est pas top. Ensuite, si je replace un constructeur que je ne peux pas parce que j'ai plus les ressources. Donc, je vais chercher ça tout de suite. Voilà, je reviens avec mes ressources. Donc, on a du fil de cuivre qui est fait là-bas. On va revenir sur un constructeur qu'on va placer ici au milieu. Pas trop près non plus, je vous rappelle, on a de l'espace. Utilisons-le. On va mettre un groupeur. On reste sur du MK1, on n'a pas besoin de passer à autre chose. Alors, j'ai mal mis mon groupeur. On recommence. Ça arrive à tout le monde de se gourer. Et ça va vous arriver souvent, je vous le dis tout de suite. Le plus simple. Là. Ça ressemble quand même à quelque chose. Hein. Et le constructeur, ici. Alors, pourquoi j'en mets en deux? Parce que pour faire les câbles, j'ai besoin de 60 fils électriques pour faire 30 câbles. Et j'en produis ici 60. Donc ça, c'est top. Donc cette partie-là, elle est faite. Cette partie-là, il ne faut plus y penser. Ensuite, on produit encore du fil. On produit encore du fil. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le fil? Donc on a du fil, on a du câble. Il n'y a plus que les tôles à faire. Et pour l'instant, on ne sait rien faire d'autre. Donc, ce que je vais faire... Déjà ici... Logistique. Un groupeur. Cette fois-ci, je vais partir dans un autre sens. Je vais mettre un deuxième groupeur, vous allez comprendre très vite pourquoi. Et je vais faire ce qu'on appelle une liaison à la chaîne. Donc, 30, 60, 90, donc ici je dois déjà passer en MK2. Ah non, je devais pas, vu que j'ai 30 et 30, 60. Donc non, là je peux le laisser, excusez-moi, en MK1, vu que la vitesse est de 60. Le fil ici, bon, on va le rejoindre, parce qu'il ne sert à rien de faire autre chose avec. On n'en a pas besoin. Ok, ici on va tout réunir. On va remettre un constructeur dans le même sens que ce qu'on a fait jusque maintenant. Mais plus loin. Et vous comprendrez pourquoi. Je vais faire organisation, conteneur. Et je vais le mettre là. Bon, ici par contre, je suis obligé de passer en MK2 parce qu'on a un 90. Et ici en classique, parce que là on va faire les tôles de cuivre.
Mais pour étoile de cuivre, j'ai besoin que de 20 lingots. Or, j'en ai 90 qui arrivent. Et donc là, je vais avoir ma production de fil, ma production. Donc, ma production de câbles, pardon. Ma production de fil électrique. Et ma production de tôle, telle que je l'avais de l'autre côté. Tout ce qui reste à faire, c'est de relier à l'électricité. Alors, pour relier à l'électricité, on va essayer de faire un minimum correct. On va aller rechercher un plan. Donc, on y va tout de suite. Et là, pendant ce temps-là, je laisse tourner, hein, parce que ça ne me dérange pas. J'ai deux ressources ici à liquider, donc autant le faire. Je vais même les prendre et alimenter manuellement les trois usines qui sont ici. Comme ça, elles continuent à produire. C'est des ressources qu'on pourra aller rechercher après. On va mettre la petite lumière pour être un peu mieux. Alors, à savoir que je suis aligné parfaitement avec le fer. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il faut toujours rester aligné avec le fer, avec la première usine que vous allez mettre en place. Là, on a quelques lingots, on va les claquer. De toute façon, ils nous servent à rien ici. Donc, tout ce qui est minerai, on vire. Tout ce qui est lingot, on vire. On revient ici en gestion électricité. Normalement, c'est en gestion. Voilà. Fixation électrique murale. 3 points. On ajoute au panier. On achète. Donc, on vient de passer aux fixations murales MK1. Le MK2 n'est possible que quand on aura les poteaux électriques MK2. Et pour avoir les poteaux électriques MK2, c'est dans le MAM et donc pas ici. Donc ce sera pas pour tout de suite. On n'a pas de plastique, je vous rappelle. Pour avoir du plastique, il faut du pétrole. Et là, on va organiser un petit peu notre électricité là-bas. On va retirer la pilasse parce que cette pilasse me dérange sincèrement. Organisation, pylône électrique, on te met là. On te relie là. You are so lucky that you found this most valuable artifact. Et là, je sais pas si vous avez vu, c'était nouveau ce qu'ils nous mettaient sur le côté. Câble trop long. Fallait s'en douter. C'est pas grave. On va venir ici. On va se mettre là. On va lancer l'usine. Alors là, on n'a pas traversé, ce qui est tout à fait normal. Donc en organisation, on va prendre la double prise. On va venir la mettre là. On va venir la mettre là aussi. On est à la même hauteur, c'est top. On les relie entre elles. Toi, tu vas là. Et là, toi, tu vas là. Et là, on continue avec nos murs. Alors pour l'instant, c'est de l'orange et ça m'arrange, hein. Ça m'arrange parce qu'on est sur du cuivre. C'est la couleur du cuivre.
Là, il me reste combien? Il me reste une prise possible. Et là, on va partir le long des murs. Il l'a placé double, nickel. Ça en fait intérieur-extérieur. On continue nos murs. Alors, le petit conseil ici. C'est de venir pas juste au coin mais un point avant. Comme ça, tac. Vous voyez, c'est un peu plus propre, tout simplement. Alors de là, on va partir, on va venir se mettre comme d'habitude au milieu des deux. Même chose ici, au milieu des deux. Ici, on va mettre un mur avec porte. On va y mettre la porte automatique directement. On revient mettre une prise classique. Ok, et il ne reste plus que cette partie-ci qui n'est pas reliée. Et tout est relié, on n'a plus qu'à lancer la production, enfin relier avec la bonne ligne électrique. Et là, tout va tourner tel qu'on l'a souhaité. Alors c'est ici qu'on va stocker les lingots, au cas où on en aurait besoin plus tard. Alors bien sûr, il va falloir le temps que ça se divise, que ça aille correctement. Et là, je me suis gouré en fait. Et donc la partie ici est vraiment opti. On n'a plus qu'à mettre des stockages. Et la partie de l'usine est faite. Donc je fais les stockages, on se retrouve tout de suite. Et voilà, les stockages sont faits. On a donc ici les tôles en acier qui se font. Sachant qu'on pourra en produire beaucoup plus parce qu'on a beaucoup de lingots qui arrivent ici. Les lingots vont être stockés là. Ici, la ligne est opti. Les lingots vont faire des fils de cuivre, les fils de cuivre vont être stockés. Et là, les fils de cuivre vont être transformés en câbles, ligne opti, et on a du câble qui est fait. Donc voilà pour toute cette partie-ci. Vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de tant de place que ça. Maintenant, il y a un problème, je ne sais pas si vous en rappelez, on n'a plus d'électricité là-bas. Donc ce qu'on va faire... Cette partie-ci, on n'en a pas besoin. On peut la détruire.
On a besoin de fil. Ça tombe bien, je suis en train de faire toute la partie électrique. Et donc j'ai le fil ici. Désolé pour le réflexe du saut. Hein. Alors si je vais sur pylône électrique que je prends là. Voilà, et là maintenant toute la partie là-bas doit être alimentée. Le béton armé, ça se passe bien. Donc vous voyez, c'est vert. Au niveau des usines, on commence à atteindre la limite. Donc on va devoir passer à la phase 2. On va devoir lancer les recherches sur la phase 2 pour dire de pouvoir découvrir du pétrole pour la suite. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris un petit peu comment on construit une usine plus ou moins correcte. Mais vous voyez, les premières usines sont... Allez, sont simples. En tout cas, celle-ci est simple. Ensuite, quand on est là, on peut très bien se dire... On va remettre un sol. Ici et de là... Fondation. On pourrait se dire, on monte ou on descend. Donc ici, on va descendre. Alors pourquoi je le fais comme ça? Vous allez voir qu'en fait, vu que j'ai tout aligné, ça va me permettre de passer de la production ici à la production là-bas, vu qu'on est sur la même ligne. Tout simplement. Et on n'oublie pas de supprimer toute la partie ici en dessous. Ne supprimez peut-être pas les stockages, juste les usines. Sauf celle-ci parce qu'elle continue à produire. Ça ne servira à rien de la supprimer. Et les stockages, on verra plus tard pour tout réunir dans un même coin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous l'aurez trouvé utile. Ici, bah, c'est de la surproduction. On peut le taper dans les déchets. Mais vous avez vu que dans l'évolution de mes vidéos, il y a vraiment, voilà, je fais du n'importe quoi. Et puis je vais commencer à faire quelque chose d'un peu plus... normal, d'un peu plus classique, et que ça nous demande d'autres choses pour pouvoir le faire. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais vous souhaiter une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.